Je suis chef embarquement. Mon travail consiste à superviser les embarquements sur des TGV, les trains à grande ligne. J'ai toujours aimé être en contact avec les gens. Ce que je ne voulais surtout pas, c'était rester enfermé dans un bureau. J'ai saisi une opportunité, ça m'a permis d'évoluer. Nous sommes une équipe de 4 personnes. Mon travail consiste à ce que l'embarquement se déroule dans les meilleures conditions jusqu'au départ du train. Et au total, je fais environ 8 à 9 trains dans la journée. Et entre 2 trains, je vais renseigner les voyageurs. Mes dirigeants m'ont fait confiance parce qu'ils auraient très bien pu se dire « Attention, une personne en fauteuil sur les quais, etc. etc. » Et ça n'a pas été le cas. J'ai été sollicitée par le dirigeant d'unité opérationnelle de Moussa. Le médecin du travail a également été sollicité pour donner un avis sur ce qu'il faudrait adapter par rapport au handicap de Moussa pour lui permettre de faire son travail dans les meilleures conditions. Moi, sincèrement, depuis que je suis ici, la plupart de mes collègues ne me voient plus comme une personne en fauteuil ou quoi que ce soit. Il y en a plein qui ont oublié ça. C'est une personne comme les autres à gérer. Il est, je vois pas de différence. C'est un boulot qui me plaît. Donc je suis heureux à mon travail, je suis bien avec les collègues, je suis bien avec mes responsables. Ce qu'il faut, c'est vraiment prendre le temps d'échanger, de comprendre ses attentes, ses besoins. L'handicap, je l'oublie, et puis j'essaie d'évoluer, de foncer, et puis de faire le maximum. Donc ce que je souhaiterais, c'est être DPX. Et je suis motivé, je suis prêt, bien sûr, à le faire et à y arriver, surtout.